Eh bien, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci d'être ici à des horaires qui ne sont pas toujours si faciles. Ça fait plaisir. J'ai vu une petite faute, voyez-vous, au-dessus. Ce n'est pas secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts compositeur, c'est compositeur. Secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, c'est parce que je suis compositeur que j'ai été élu. Voilà. Ce cycle de conférences, ben, l'idée était de parler de l'opéra, vous savez que la dernière lettre de l'Académie des Beaux-Arts concernait l'opéra, et il y a donc 5 membres de notre compagnie, et 3 compositeurs invités, donc j'ai vu d'ailleurs certains de mes confrères ici, présents. Il y aura après moi Thierry Esquèche, Philippe Persan, Régis Campo, Michael Lévinas, Bruno Mantovani, Kaya Sariao, que nous avons élu récemment membre associé étranger, et Pascal Dussapin. Voilà, j'espère que vous pourrez ainsi voir tant d'esthétiques différentes, tant d'aventures différentes, tant de carrières différentes. Alors, vous savez, écrire un opéra, c'est au fond, c'est concevoir un spectacle total. C'est un des éléments dans lesquels un compositeur travaille en sachant qu'il va y avoir d'autres créateurs qui vont venir après. Je dois vous avouer d'ailleurs que si j'aime diriger moi-même la création de mes opéras, et même des œuvres, c'est parce qu'au moins je peux un peu contrôler ce qui va se passer, parce qu'on peut vite en être exclu si on ne fait pas attention. Un opéra dans l'œuvre d'un compositeur, c'est un peu spécial. Vous avez des... Quelque part, on pèse un opéra. Vous avez des génies absolus qui n'ont pas écrit d'opéra. On en connaît beaucoup. Vous en avez d'autres qui ont écrit un opéra alors que ça ne correspondait pas forcément à leur langage, mais tout d'un coup, il y a ce besoin d'avancer, de participer vers un art absolument différent. Il y a aussi un autre problème dans l'opéra, c'est que finalement, vous voyez dans l'opéra contemporain, à la différence des opéras notamment du 19e, pas seulement, c'est qu'il y a très peu d'extraits. On joue les ouvertures des opéras de Verdi, mais trouver des éléments symphoniques ou extraits d'opéra contemporain, il y en a beaucoup moins. On va parler d'ouverture de Candide, mais c'est un peu spécial, évidemment, c'est Bernstein. Et c'est une des raisons peut-être aussi pour lesquelles il est délicat pour un compositeur d'enchaîner 2 opéras. Moi, je sais que j'ai vraiment besoin d'écrire des œuvres pour orchestre, de musique de chambre, d'autres choses, de me ressourcer d'une façon différente. Si vous enchaînez 2 opéras et que vous avez travaillé 6 ou 7 ans, eh bien, vous avez disparu de la scène symphonique avec des nouvelles œuvres pendant une durée comme ça. Ceci dit, je n'ai pas de problème parce qu'on ne m'a jamais proposé d'enchaîner 2 opéras. Vous verrez que c'était plutôt des combats. Et ensuite, se pose le problème du livret, c'est-à-dire que à peu près mes consoeurs, mes confrères qui sont là aujourd'hui pourraient vous dire qu'on reçoit régulièrement des propositions de livrets, tout terminé avec des livrets qui durent 80 pages, avec la non-compréhension que le temps de la musique n'est pas du tout celui, le temps littéraire, et qu'il faut être beaucoup plus concis. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'au niveau du livret, vous avez aussi toute une série de compositeurs par exemple, qui s'expriment dans un langage plus atonal, qui évidemment ont eu besoin de faire évoluer la notion du livret par rapport à la notion telle qu'elle était au 19e ou 20e. Donc, ce sont des. Pour moi, c'est indispensable non seulement de participer à l'élaboration d'un livret, mais d'en avoir conçu le squelette. Parce que je vais passer 2-3 ans sur un opéra. Le librettiste, lui, va passer 3 ou 4 mois. Ce n'est pas exactement le même travail. Et moi, j'ai besoin d'être complètement imbibé, d'être complètement convaincu. Ça a un gros problème, c'est que lorsque vous arrivez devant un directeur d'opéra avec une idée tellement précise de qui vous voulez, comment vous voulez le faire, il a l'impression de ne plus avoir sa place et il ne donne pas suite au projet. Ça fait malheureusement partie des problèmes qu'on rencontre. Mais pour moi, la dramaturgie, elle est essentielle. Peut-être aussi qu'avoir fait beaucoup de musique de film, à un moment donné, m'a aidé sur le sens dramatique, mais j'ai besoin de savoir où j'emmène l'histoire. On a une autre particularité lorsqu'on travaille sur un opéra, quel que soit son langage, quelle que soit son esthétique, c'est que finalement, on est sur une scène, on est presque obligé de faire le piano-chant avant la partition d'orchestre. Or, très souvent, beaucoup de mes confrères, moi-même sur certaines œuvres, on va pas forcément faire un brouillon avant, on va des fois écrire directement à l'orchestre. Là, ça vous oblige vraiment à structurer la pensée d'une façon différente, à avoir une sorte de réduction que vous allez ensuite orchestrer. Donc le problème étant de savoir si vous faites une réduction que vous orchestrez ou si en fait vous réduisez déjà une orchestration qui est dans la tête pour la retrouver ensuite.
On a ce problème aussi, finalement, dans la relation avec le librettiste, c'est que être librettiste, c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout aussi en termes de position, de place. Vous avez, c'est un métier d'humilité. Finalement, je m'étais amusé à prendre les noms pour regarder Thémistocle Solera. Ah, voilà, il a fait Nabucco, Jeanne d'Arc, Attila, beaucoup de choses avec Verdi. Felice Romani, il a fait Norma, Bellini. Je suis pas certain que tout le monde connaisse ces noms-là. Johann Friedrich Kind, qui a fait le Freischütz avec Weber. Alors évidemment, on connaît Hofmannsthal et Stefan Zweig avec Richard Strauss. Évidemment, on connaît Da Ponte. Mais je dois vous dire que les bagarres que j'ai eues, je n'ai pas pu obtenir que le nom du librettiste soit sur l'affiche. Quand on a fait à Prague, il m'a valu des grosses crises avec mon librettiste qui ne comprenait pas. Alors, l'opéra, pour moi, c'était un désir, c'était une continuité, ce n'était pas une commande. Mais j'avais un grand intérêt pour, notamment j'avais lu jeune le portrait de Dorian Gray, que je trouvais quelque chose d'extraordinaire. Mais quand j'ai relu le livre, cette fois-là à 40 ou 45 ans, j'ai vu que le sujet n'était pas du tout comme j'avais en tête ce tableau qui noircissait, etc. Non, le sujet, c'est la très difficile condition des homosexuels dans l'Angleterre victorienne. Et c'est un sujet formidable, mais ce n'était pas le sujet qui m'intéressait à traiter. J'avais pensé aussi à Dr. Jekyll, Mr. Hyde, qui était évidemment quelque chose de tout à fait formidable. Mais au même moment, il y avait une comédie musicale qui se préparait en Angleterre. Je me suis dit, j'ai déjà eu tellement de mal à faire oublier à une certaine frange de la musique contemporaine que j'ai fait des musiques de films. Ce n'est pas pour aller m'amuser. En plus, une comédie musicale, je ne voulais pas me retrouver en concurrence avec une comédie musicale. Et Eric Nonne, à ce moment-là, écrivain, qui était un ami, m'a dit, mais finalement, Angleterre, 19e siècle, la différence qui est dans tous tes sujets, ce que tu cherches, c'est Elephant Man. Et là, je lui ai dit, évidemment, tout de suite, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors au moment, j'ai tout de suite travaillé et je me suis posé immédiatement la question de la prosodie. J'ai besoin de comprendre à l'opéra. Je suis beaucoup trop souvent, alors évidemment, une coloratoure, c'est trop, on ne comprendra pas, mais j'en ai assez de ces opéras où je ne comprends pas un mot. Et j'avais un besoin d'intelligibilité en sachant que, avec la voix, à un moment donné, un texte peut perdre de l'intelligibilité, mais peut gagner du sens. Et donc là, j'ai fait un vrai travail là-dessus. Et évidemment, Elephant Man, j'ai tout de suite pensé à quelqu'un que vous allez reconnaître, Nathalie Schultzmann. Très caractéristique dans l'écriture de cette partition. L'écriture vocale, c'est qu'on a quasiment une syllabe sur chaque note. Et ça m'a tout de suite fait penser à Ravel, parce qu'on regarde les partitions de Ravel, donc que ce soit l'heure espagnole, Enfant et Sortilège ou les histoires naturelles, c'est dans la même idée, par souci probablement de mieux comprendre le texte. Et la difficulté par rapport à ça pour un chanteur, c'est d'arriver à trouver une ligne vocale, c'est-à-dire quelque chose qui coule, qui ne soit pas interrompu par ce fait d'avoir un mot ou une syllabe sur chaque note. Ça, c'était assez difficile, mais je crois qu'on a trouvé un bon équilibre entre la clarté de la diction et puis garder cette ligne mélodique, parce que c'est très mélodique ce qu'écrit Laurent Petit-Gérard. Est-ce que quelqu'un d'autre me ressemble dans le monde ? Non. Mais là, vous avez reconnu Nicolas Rivinck, bien sûr, qui chantait le docteur Trévis. Avec Eric Nonne, on a voulu se servir... Oh, pardon. Il faut que je pense à appuyer sur ce petit bouton. Avec Eric Nonne, on a voulu se servir des mémoires du docteur Trévis. Des mémoires de Joseph Merrick, qui d'ailleurs s'appelait Joseph et pas John. Et ne pas rentrer... Le film est formidable, le film de David Lynch est magnifique, mais il est basé sur les mémoires du médecin, qui s'est donné le beau rôle. Et en fait, le showman était un type formidable.
Et en fait, le médecin s'est aussi servi d'Elephant Man pour prendre le pouvoir dans son hôpital. C'est beaucoup plus trouble, l'histoire, la véritable histoire. Alors, j'ai commencé à contacter une quarantaine d'opéras qui n'ont pas répondu. Bon, ça, c'est pas très, très grave. Ça devait être fait à l'Opéra Comique, finalement. J'avais vu à l'époque Pierre Médecin. Et puis France Télévisions, c'est Xavier Gouillou-Beauchamp, adorait le projet et donc participait au financement. Le problème, c'est que le cher Pierre, au même moment, montait Péléas et Mélisande et qui se servait de l'argent donné pour Elephant Man pour faire une très belle production de Péléas et Mélisande, et il me refilait sa troupe de chanteurs qui n'était absolument pas du niveau. Moi, je voulais Nathalie Soussman, j'ai une colorature qui monte au contre-sol, j'ai toutes sortes de... J'avais des voix magnifiques à voir dedans, le rôle du docteur Trévis est énorme, et donc j'ai vu que ça ne marchait pas. Donc j'ai fait quelque chose que j'ai eu à faire plusieurs fois dans ma vie. J'ai cassé une tirelire que je n'avais pas, c'est-à-dire que j'ai fait un emprunt, et j'ai décidé d'enregistrer mon opéra avec l'orchestre de Monte Carlo et une distribution. Et nous sommes allés avec Eric Nonne à Londres sur les traces d'Elephant Man. Ne patientez et ne m'en vous pas environ 25 ans. Nous ne connaissons pas vraiment son passé, ses antécédents. Nous supposons qu'il est atteint d'une maladie congénitale qui n'a jamais été décrite, semble-t-il, dans l'histoire clinique. D'abord, je voudrais vous préciser qu'il ne s'agit pas de la maladie connue sous le nom d'éléphantiasis. Enfin, l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un cas unique, la pression maternelle, la science moderne nous a prouvé le contraire. Alors oui, ce n'est pas l'éléphantiasisme, c'est la neurofibromatose, et c'est évidemment une maladie terrible. Je dois vous dire que ce qui était très, très émouvant quand on était là-bas, c'était de voir le côté sinistre qu'il y avait dans lequel a été cet homme, qui, vous savez, était en même temps un homme extraordinairement conscient. Il a laissé un poème magnifique disant « It's through my face is something odd, but blaming me is blaming God ». C'est-à-dire, c'est vrai que mon apparence est affreuse, mais me blâmer, c'est blâmer Dieu. « Could I create myself anew? I would not fail in pleasing you. » Si je pouvais faire de moi-même quelque chose de nouveau, je n'hésiterais pas à vous faire plaisir. C'était un homme incroyable qui a laissé un message à la fin de sa vie « Ce soir, je vais dormir comme un homme ». Et il a enlevé les oreillers, sachant que dans la mesure où il était à plat, il allait mourir parce qu'il commençait à perdre la vue. C'est donc quelque chose d'extrêmement fort. J'ai voulu avoir une distribution, comme quitte à produire, quitte à s'endetter. Quand on parle de s'endetter, pour vous donner une idée, c'est 250 000 euros l'enregistrement de cet opéra, sur lesquels il y a eu une petite aide, il faut quand même le signaler, il y a eu une petite aide à l'époque de MFA. Et cette petite aide de MFA, dans la commission, il y avait encore les bonnes âmes pensantes qui disaient « Non, 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 c'est pas la peine, etc. » Et il y a un homme qui s'est fâché, qui a dit « Si vous n'aidez pas cet opéra, je quitte la commission », c'est Pascal Dussapin. Et pourtant, Pascal et moi, nous avons des univers musicaux totalement différents. Mais de temps en temps, quand il y a des gens qui se comportent comme il faut, il est bon de le rappeler. Merci, Pascal. Et donc, je me suis fait plaisir, avec en plus, à l'époque, des gens qui n'étaient pas fort. Bon, Nicolas Rivin, qui avait déjà une carrière, Nathalie Stutzmann, bien sûr, mais Sophie Koch, par exemple, c'était le début de sa carrière. Marie de Velleroy, il y avait... Et puis, Nicolas Courval, que vous entendiez là aussi, qui est magnifique basse. Et donc, dans ce voyage à Londres, eh bien, on a appris des choses très passionnantes. In blue pencil, the top of the page, it records that it's surgeons, male patients. Mm-hmm. Frederick Treese was one of the surgeons of the hospital. And it says, Joseph Merrick of Leicester, age 26. He was actually 24 at the time. A single man admitted to Cotton Ward. Perhaps the most interesting aspect on the register is it says that he was suffering from elephantiasis. That's bound to be a misdiagnosis because you've had to live in a tropical country to have that. Yeah. But what it then says is that after 318 days, he ceased to be a patient.
That doesn't mean that he left the hospital, but at that time he was converted from a patient, which was ostensibly someone who could be cured, into an inmate. Pour la petite histoire, on a un tout petit décalage entre le son et l'image, mais je sais que vous restituerez cela. Décidément, il va falloir que j'apprenne à appuyer sur le bouton, pardon. Donc on s'est mis... Quand on veut faire quelque chose comme ça, on commence par répéter. Et évidemment, c'était très passionnant. Marie-Laure Hillac est un chef de chant tout à fait exceptionnel. Et puis de travailler à la maison, et j'avais trouvé un ténor formidable, Robert Bro, américain, pour chanter Tom Norman. J'aimais bien l'idée qu'il ait un petit accent en plus. Et vous allez voir un moment pendant la répétition, vous allez avoir l'explication de pourquoi j'ai fait compositeur et pas chanteur. Ce qui fait que d'ailleurs, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de diriger des opéras dans ma vie, les solistes me disaient, me voyant, voulant montrer un exemple, disaient, dis-nous-le, mais ne chante pas surtout. Before, take care about something which is don't do. Il faut les aimer. Il faut les aimer pour faire ce métier. Don't forget the five. Il faut les aimer pour faire ce métier. Il faut les aimer pour les présenter. Les aimer pour les exhiber. Être fou de leurs énormités. Être fier de leurs déformités. Pour faire de des artistes, des divas. J'ai tout de suite vu que le premier acte était l'acte du ténor, du showman qui ne pouvait être qu'un ténor. À partir du moment où on a eu le showman qui est un ténor, le docteur Trevis qui est évidemment un baryton, et puis le patron de l'hôpital qui est une basse. Alors, amener un deuxième ténor là-dedans, en aucun cas Elephant Man pouvait être un baryton ou une basse. Alors on amène un deuxième ténor. Un contre-ténor, alors ça c'est des voix qui me dérangent terriblement, dont je ne suis pas du tout proche artistiquement, que j'admire, mais bon. Et donc je me suis dit non, c'est la voix de femme grave. J'ai toute ma vie été fasciné par la voix de contralte et en particulier par Nathalie Soutzmann. Laissez-moi dans mon silence. Je ne suis pas un spectacle pour une jeune fille. Ne me regardez pas. Je sais ce que je suis. Dans le regard des autres, je ne veux plus. Alors maintenant, notre chère Nathalie, en plus, fait une magnifique carrière de chef d'orchestre. C'est une fille qui est tellement musicienne que ce sera certainement formidable. Alors, il y avait toutes sortes de personnages, et notamment, il y a dans l'histoire d'Elephant Man, à l'hôpital, Eva Lucas, qui était l'infirmière qui s'est beaucoup occupée de lui. Et là, j'ai écrit un air, presque comme un air très lyrique. Et d'ailleurs, Nathalie m'a dit, Eva, je t'ai donné à Eva Lucas l'air le plus lyrique, et c'était Sophie Koch. Mais vous allez voir que Sophie ne ressemble pas vraiment à l'infirmière. She ran the hospital from her bed at the end. Thank you.
Ça, c'était évidemment un moment très émouvant dans lequel elle dit à cette jeune infirmière que chantait Marie de Velleroux de ne pas trop s'attacher. Et alors, le vrai monstre, en fait, c'est pas Elephant Man, puisque du tout. Le vrai monstre, c'est cette comédienne qui a, historique, qui a voulu se marier avec Elephant Man pour faire un coup médiatique. Alors, évidemment, je me suis dit, je vais faire un air de coloratoure qui dure que 6 minutes. Là encore, Nathalie m'a dit, tu te fous de moi, tu fais un air de 6 minutes, elle va tout rafler, parce qu'évidemment, elle est dans les aigus. Là, on ne comprend pas un mot, hein, faut pas chercher. C'est surtout diva, diva, diva. Et donc, j'ai envoyé, je ne pouvais pas demander à ma chère amie Nathalie Dosset, parce que 6 minutes en scène, on ne demande pas une star absolue. J'ai appelé une jeune coloratoure qui commençait à marcher très fort, qui s'appelle Patricia Petitbon, et qui ne m'a pas répondu. Et au bout de 3 semaines, je l'ai rappelée, elle m'a donné un cours de composition par téléphone, ce dont je l'ai remercié beaucoup. Et j'ai donc, grâce à Robert Brault, engagé une petite coloratoure américaine qui m'avait recommandé, qui sortait de l'avion, qui avait perdu ses bagages et qui débarque, et que j'avais fait travailler par téléphone simplement, qui débarque et droit sur l'enregistrement, parce qu'on n'avait pas de temps, c'était donc avec l'orchestre de Monte Carlo à l'Opéra Garnier, et vous allez voir, étonnant. Pour les musiciens présents, à la fin de la vocalise, c'est un contresol, 4 lignes supplémentaires au-dessus de la portée. Très drôle, c'est que le violon solo de l'orchestre philharmonique Monte Carlo à cette époque-là, c'était Ron Patterson, excellent violoniste américain. Et quand elle a commencé à chanter, il se tournait vers l'orchestre et il disait « She's American, she's American ». Il était comme un fou. Et alors, finalement, on a toujours des petits moments où on savoure, on ne devrait pas savourer, mais qu'est-ce que vous voulez. Ça a été nommé aux Victoires de la musique. Et donc, je me suis retrouvé à Nantes. Selena Nelson est venue. D'abord, elle a été nommée artiste de l'année grâce à cet enregistrement aux États-Unis. Ça l'a beaucoup aidé. Et puis, elle est venue des États-Unis pour chanter juste ses terres. Donc, aux Victoires de la musique, à Nantes, j'ai dirigé l'OPPL. Et puis, on se retrouve après, à la fin, dans le buffet, tout le monde très gentil. Et je croise Patricia Petitbon. Et je lui dis, alors, Patricia, c'est toujours inchantable? Elle me dit, pour moi. J'ai dit, ah oui, bien. Alors, ça m'a fait plaisir. C'est idiot parce que c'est une fille adorable à laquelle je souhaite le meilleur. Alors, le disque sort, il est sorti Chant du Monde, il est primé, il gagne des trucs partout, Gramophone, Classica. Après, c'est Naxos qui le reprend. Le disque, je l'envoie à 40 opéras, dont pas un seul ne répond, même une réponse de courtoisie, simplement, avec le piano chant, avec partition, avec des jolies critiques. Et puis, dans ces moments-là, vous avez quand même un peu le vertige. D'ailleurs, Mesguich poussait à ce moment-là un homme, je ne le nommerai pas, mais qui s'appelait Meyer, qui dirigeait l'opéra de Montpellier, en disant qu'il voudrait vraiment. L'autre lui dit, écoutez, non, je ne crois pas, etc. Il dit, écoute-le, fais-moi plaisir. Et il le revoit 4 mois après. Et l'autre lui dit, non, écoute, vraiment, j'ai écouté, ça ne me va pas. Là-dessus, Mesguich va, sort le disque, il n'était pas décellophané. Donc, voilà, vous apprenez ça. Et puis, je l'envoie partout. Et puis, c'est Prague qui répond.
l'opéra d'État de Prague, ce qui m'a fait très plaisir. Et donc, comme j'avais fait l'opéra de Marius Constant sur Rimbaud et Verlaine, dans une mise en scène, j'avais dirigé dans une mise en scène de Daniel Mesguich, j'ai proposé à Daniel Mesguich de le faire. Le théâtre était très partant. Alors, évidemment, avec Daniel, le théâtre dans le théâtre, le double. Et on s'est retrouvés à Prague. Malheureusement, il y avait une double distribution, mais Nathalie, je crois, d'abord était un peu souffrante. Je crois aussi qu'elle a eu très peur du costume tel qu'il était montré. Et finalement, c'est Yana Sikorova qui a fait seule le rôle. Excellente mezzo-soprano. Là, il y a le livret, au moins. Je me suis battu. Là, vous voyez Philippe Do, excellent ténor que j'ai découvert là-bas et qui faisait vraiment un travail magnifique. Alors, on le monte là-bas, mais au même moment, Paul-Émile Fourny, lui, faisait une mise en scène là-bas, directeur de l'Opéra de Nice, et il propose de faire la création française après. Donc, ça se passe, il y a eu ce moment au moment de la création, ça a été ensuite repris au moment du mai, du festival de mai à Prague. Et il se passe que c'était le moment où, puisqu'il fallait bien rembourser le crédit, donc je faisais les Maigret. Donc Maigret est quelque part un des sponsors d'Elephant Man, et de Gros aussi d'ailleurs. Et puis je faisais aussi la musique du dernier film du très cher Pierre Schoendorfer, académicien, qui s'appelait « Là-haut un roi sur la montagne ». Et donc j'étais avec Bruno Kremer, et dans la même semaine, je dirigeais Elephant Man, j'enregistrais Maigret et j'enregistrais l'autre, et avec Bruno Kremer qui me disait quand même, j'ai fait les Maigret, enfin, pour sortir de la série Maigret, je fais un film et je tombe encore sur toi, mais c'était un type absolument délicieux. Alors le show, vous allez voir, donc à partir de là, on a tourné finalement la vidéo à Nice, parce que le chœur était nettement meilleur, et l'orchestre aussi, c'était d'un niveau supérieur. L'idée, au fond, dans le premier acte, c'était de faire passer, dans l'opéra, pardon, c'était de faire passer le spectateur d'une forme de voyeurisme à tout d'un coup une compassion, et à la fin presque une identification au moment où, à la fin de sa vie, Elephant Man, Eric Nonne avait trouvé cette très jolie formule, « Mon Dieu, seras-tu le mien comme celui des autres ? Est-ce que je serai guéri lorsque je serai devant toi ?» Ce qui était des questions très fortes. Et donc, ce premier acte, eh bien, le public, c'est le cœur sur scène, ce qui fait que le public dans la salle ne voit que par transparence Elephant Man. Thank you.
Alors, évidemment, quand il arrive au deuxième acte, dans l'hôpital, ce qui est une histoire tout à fait véridique, on a eu l'idée, on sait que les malades ont été très, très gentils avec Elephant Man, et donc il y a eu l'idée de faire une sorte de prière des malades quand il arrive. Et je me suis dit, je ne vais pas utiliser ce langage assez violent comme ça, et je vais faire quelque chose comme un choral un peu, ça m'a piégé, puisque j'ai fait un choral presque foréen, que c'est ce qui est passé beaucoup en radio à l'époque, et que finalement, des gens ont été surpris parce qu'ils s'attendaient à ce que tout l'opéra soit dans ce langage qui était tout d'un coup alors beaucoup plus classique que le reste, bien sûr. Alors reste enfin, vous allez voir, la coloratour, cette fois-là, c'était Magali Léger sur scène. Et en fait, on voit là vraiment pourquoi, pour moi, c'était tellement important de diriger, de contrôler moi-même les choses. C'est qu'avec un diable comme Mesguich, vous auriez vu ce qu'au départ, il voulait faire à cette pauvre Magali au moment où elle allait attraper un contresol. Il en a fait quand même pas mal, mais j'ai réussi à calmer un tout petit peu la chose. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Oui, il fallait le faire. Mais la première version était beaucoup plus audacieuse. Alors l'opéra a été repris. Après, pas repris, il y a une nouvelle production à Minneapolis. Ils ont été sur mon site internet, figurez-vous, et le directeur de l'opéra m'a appelé. Il m'a simplement demandé de pouvoir faire chanter le rôle par un contre-ténor. Alors, c'est, au début, je disais non, mais il m'a envoyé des enregistrements de David Walker, et j'ai trouvé ça formidable, donc il l'a fait. Et puis ensuite, une deuxième chose qui est que Elephant Man ne porte pas de masque, et pour être un peu comme l'avait fait David Bowie, mais je trouve que c'est dommage, parce que ça a un peu enlevé de la force dramatique du premier acte, précisément, parce que dès le début, on le voyait comme ça. Et c'est Malcolm Walker, un très, très bon chef d'orchestre qui dirigeait, et je dois avouer que je suis allé là-bas avec beaucoup de plaisir. Et alors, bon, si vous voulez, ensuite, je l'ai donné en version de concert à Paris, mais voilà, c'était cette aventure, et pendant qu'on était en train de terminer d'écrire leur présentation à Nice, j'ai dit à Daniel Mesguich que j'étais obsédé par une chose qui était la tragédie de Johnstown avec Jim Jones, 930 morts, suicide collectif, et puis l'affaire du Temple solaire, et que d'un côté la violence de Jim Jones et de l'autre côté le baratin insensé du Temple solaire qui pourtant s'adressait à des gens cultivés, je trouve qu'il y avait là une matière pour dénoncer quelque chose de terrifiant dans les sectes. Et donc on propose à Paul-Émile Fourny, puisque Elephant Man avait vraiment un impact fort de le faire, mais lui voulait faire une comédie musicale, il me propose de faire une comédie musicale, ce que je décline, d'abord parce que je ne saurais pas le faire et puis que j'en avais pas envie. Je lui conseille Jean-Claude Petit, d'ailleurs il a travaillé avec Jean-Claude Petit. Et puis à ce moment-là, on commence à travailler avec Daniel Mesguich, on va bien trouver un opéra, surtout avec son collaborateur Xavier Morel. Et puis il se trouve qu'entre-temps, tout d'un coup, Minneapolis annonce qu'ils vont monter Gourou, qu'ils vont monter Elephant Man. Et donc, Paul-Émile Fourny revient vers moi en disant « D'accord, on va le faire ». Et donc, c'est très bien. Il me dit « Je vais faire une commande d'État pour toi ». Je dis « Ouh là là, commande d'État ? Si c'est une commission dirigée par M. Van den Bogart, ça m'étonnerait. » Bon, il fait la demande. En plus, c'est l'Opéra de Nice qui demande. Je n'avais jamais eu de commande d'État de ma vie. La commande, bien évidemment, est refusée. Ce à quoi j'informe le conseiller du ministre que j'ai été fait il y a un an commandeur des arts et lettres, que si c'est parce que je présidais la SACEM, qui est une société qui pèse plus d'un milliard d'euros, ben dans ce cas-là, je ne la préside plus, puisque ça tournait tout le temps. Et si c'est par rapport à ma vie de compositeur, dans ce cas-là, c'est scandaleux, et que cette commission est détournée au profit d'une seule esthétique, donc que je réunis deux, trois journalistes et que je renvoie la médaille. Là, il y a eu un petit silence. Il m'a dit « Soyez gentil d'attendre un peu, j'ai attendu 6 mois et j'ai reçu une commande du ministre, pour le principe. C'est la seule commande d'État que j'ai eue de ma vie, mais je l'ai eue au forceps, c'est quelque chose, quelque part c'est amusant. » La lettre d'ailleurs expliquait que j'étais à la fois Beethoven, Karajan, tout ça en même temps, et j'étais très content. Vous la liriez, je crois que vous ririez beaucoup. Alors donc, je commence à écrire, et puis tout d'un coup, Paul-Émile Fourny m'indique « Voilà les dates ». En 2010, mais finalement, c'est moi qui fais la mise en scène. Et je dis, écoute, non, on a engagé Mesguich, en plus, je connais ton travail metteur en scène, là, il me faut un metteur en scène d'une violence extrême, il y a 60 morts sur scène à la fin, c'est pas possible, il faut qu'on fasse ça différemment. Bon, il dit, tant pis, je vais chercher un autre théâtre. Bon, puis quand même, 6 mois après, il se ravise et il dit non, et il appelle Mesguich. Sauf qu'on est passé à ce moment-là de mars 2010 à octobre 2010. Mais octobre 2010, c'est la saison d'après. En 2009, il n'est pas renouvelé. Donc c'est une nouvelle équipe. La mairie de Nice m'explique que ça va être dans le cahier des charges de la nouvelle équipe. Évidemment, il y avait quand même une commande, j'avais écrit un opéra. La nouvelle équipe, c'est Lanceron-Edouin. Lanceron, il ne pense qu'à mettre toute sa maison de disques en affiche. Ils ne le mettent pas la première saison. Ils me disent qu'il faudrait trouver une coproduction pour pouvoir le mettre dans la deuxième. Je trouve la coproduction à Budapest, ils ne répondent jamais. Ensuite, au bout d'un an, Lanceron est remercié parce qu'on se dit qu'il y a quand même un conflit d'intérêts. Edouin reste seul, ne répond pas. Edouin est remplacé. Ensuite, arrive Philippe Auguin, enfin un directeur qui sait lire la musique, au miracle. Je venais, moi, entre-temps, j'ai dit, je ne vais jamais y arriver. Je venais de finir de payer les dettes d'Elephant Man. Je dis, j'en reprends pour 8 ans et j'enregistre Gourou.
même chose, merci. Bon, et donc j'avais un disque à faire entendre, il n'était pas encore sorti, mais à faire entendre à Auguin. On passe 2 heures ensemble, il écoute le disque, il a les larmes aux yeux, il me dit c'est extraordinaire, je n'ai pas encore mes équipes de production, mais on fait ça, voilà, c'est en 2013, il me donne les dates, déjà appelé tous les agents pour être sûr d'avoir l'équipe du disque. J'appelle tout le monde, je fais un planning, et je n'ai plus jamais de ma vie parlé à Philippe Auguin, qui tout d'un coup ne répondait plus à rien, et un directeur adjoint me répond qu'on ne peut pas forcer le directeur musical, je n'ai pas encore compris, j'avais l'impression d'être devenu fou. Je me dis, je ne vais pas y arriver, c'est pas vrai. Donc à ce moment-là, je me dis, on va en faire une version de concert. Pas de concert, pardon, une version mise en espace à Paris, étant donné que Chopin ne voulait pas monter l'opéra. J'ai dit, bon, je me fais un petit peu plus de dettes et on fait, Daniel Mesguichet d'accord, avec l'orchestre Colonne dans la fosse, on fait une version mise en espace avec Daniel Mesguichet qui est donc programmée pour 2014. Sauf que donc je loue le théâtre du Châtelet, je fais tout plein pot, hein, pas de cadeau, et puis finalement la brochure du Châtelet sort, Gourou n'est pas dedans. Je dis, mais enfin, comment, vous ne l'avez pas mis dans la brochure, vous ne faites pas un seul opéra contemporain de toute l'année, vous ne jouez pas un seul compositeur français de toute l'année, tout d'un coup, on vous en met un qui ne vous coûte rien, et vous ne le mettez même pas dans la brochure. Ah, on n'est pas obligé de mettre ce qu'on ne produit pas. Je dis, oui, mais enfin, en attendant, vous produisez bien telle ou telle association symphonique, et puis vous la mettez dans, vous ne la produisez pas, elle est bien dans la brochure. Bon, quand, on va vous mettre sur le site internet. Je réponds un petit mot aimable dont je vous dispense, et je dis, faites-moi un procès si vous voulez, j'annule. À ce moment-là, je comprends que je ne vais pas y arriver. Donc, je fais ça, une version pour le concert, c'est-à-dire une suite lyrique des 4 scènes principales entre Gourou et Marie, les 2 personnages principaux. Celle-là, on l'a créée en Allemagne, à Neubrandenburg, on l'a fait à Jérusalem, on l'a fait en Pologne, on l'a fait au Théâtre des Champs-Élysées. Et puis, un jour, débarque chez moi un jeune agent polonais qui dit, mais écoutez, est-ce que vous m'autorisez à proposer l'opéra en Pologne? Et 15 jours après, c'est l'opéra de Szczecin qui donne son accord. Donc on y va, c'est programmé pour septembre 17, c'est la joie, j'y vais avec Daniel Mesguichet, etc. Et on est parti. Formidable, on fait les auditions, tout est préparé. Et simplement, en avril 17, il y a une aile du château dans lequel se trouve cet opéra qui s'écroule. Et tout est repoussé d'un an. Donc cette fois-là, on arrive en 18, septembre 18, Mesguichet n'est plus vraiment libre, je crois qu'il était un peu fatigué, on prend un merveilleux metteur en scène anglais, enfin écossais, Damien Cruden, qui avait fait déjà une pièce autour de Hannah Arendt et Ashman avec mon épouse Sonia Petrovna, qu'il avait joué en anglais, donc on le connaissait bien. Et puis, voilà, c'est parti, donc en septembre 18. Le deuxième gourou abandonne 2 jours avant le début des répétitions. Et à la première scène orchestre, au bout d'une heure, je vois le rideau de fer qui descend, qui descend, qui descend. Pof. Et alors on fait la pause tout de suite, je dis qu'est-ce qui se passe? Et les gars viennent me voir en disant oh, c'est un truc, c'est électronique, il n'y a qu'à Varsovie qui peuvent changer ça, ils seront là dans 3 jours. Donc 4 scènes orchestre annulées. Enfin bon, je vous laisse imaginer. Ensuite, on arrive à la générale. Et le matin de la générale, Hubert Classens, mon gourou, arrive et me dit ah, oui, oui, c'est drôle maintenant, mais sur le moment. Alors, du coup, on met Hubert sur scène et le deuxième gourou qui, lui, avait appris le rôle à toute blinde dans la coulisse. Et finalement, on est arrivé à la première et on a pu la faire. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai rencontré? J'ai rencontré un jeune compositeur après qui me dit « Ah, ton opéra a été créé, qu'est-ce que t'as comme chance ?» Et je lui ai dit « Oui, c'est exact, mais c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. » Alors, voilà, donc... On est parti. Vous allez voir déjà, pour commencer, l'ambiance qu'il y avait sur l'enregistrement. Je voulais vraiment dénoncer quelque chose. Je n'ai pas peur de dire que c'est un opéra militant. C'est un opéra qui prend position. Je considère que les mouvements sectaires sont un danger pour la société. Et j'espère que cet opéra aidera à les combattre. Voilà. C'est toi, je fais ma vie, mes conseils. Tu tiens dans ta poche, je te dis ton
ne pas que je ne sache cacher tout mon air. C'est ça le problème, c'est que on a assez envie de prendre yid, badadi, mais après, on se bafouille un peu et on sait, il faut quand même qu'on reste yid, badadi, pas assez torrent, que malgré mes conseils, tu tiens dans ta poche cachée. Alors, je dois vous dire que c'est de temps en temps le désespoir de mon épouse Sonia Petrovna, mais lorsque j'écris un opéra, tout seul à la maison, je chante tout. Je chante tous les rôles de façon à vérifier la prosodie. Il ne s'agit pas de savoir à quelle hauteur ou si c'est juste, surtout pas, mais c'est tellement important de savoir exactement ce qu'on veut comme ça. Et là, évidemment, on est sur une île où tout le monde est sous la domination du gourou, arrivent des nouveaux disciples, et parmi ces nouveaux disciples, il y a une femme qui est venue pour l'arrêter, pour essayer d'arrêter le massacre. Elle n'y arrivera pas, mais elle va essayer. Et donc, étant donné que c'est la seule personne qui n'est pas sous l'emprise, c'est la seule personne qui n'est pas dingue, elle parle. Elle parle, mais rythmiquement écrit. J'avais fait Jeanne au bûcher avec Sonia. Sonia avait été une Jeanne tellement extraordinaire. D'ailleurs, j'ai épousé Jeanne dans la foulée. Donc, on était très proches, et on l'est toujours, je vous rassure. Et donc, il y avait cette idée comme ça d'arriver à ce que la parole parlée en face du chant garde une élasticité, sans quoi... Moi, quand tout d'un coup, il y a une scène parlée dans un opéra, je décroche. Et donc, je trouvais que c'était un moyen intermédiaire. Et donc, il y a notamment une scène où je l'ai fait travailler avec l'alto solo, là-bas, c'était très, très amusant. Donc, from Anfang, juste pour le voir, oui, comme oui. Ça. Hein. Mm-hmm. On sent, ça fait... Je sais que vous êtes là depuis longtemps, que vous avez laissé derrière vous beaucoup de choses pour suivre cet homme. Je sais que vous avez trouvé auprès de lui un sens à ce qui n'en avait pas. Aujourd'hui, il vous demande de franchir le dernier seuil qui est celui, vous dit-il, qui justifie tous ceux que vous avez déjà franchis. Je sais tout cela, et je sais aussi que vous êtes sincère. Mais je vous en conjure, ouvrez les yeux. Regardez-vous les uns les autres. Vous n'êtes que des hommes et des femmes, avec les chagrins et les regrets de la vie que nous connaissons tous. Moi-même, je suis venue ici avec tous mes chagrins et les mêmes regrets. Mais pour trouver du sens à ce qui n'en a pas, au contraire de vous, c'est la vie, cette vie, qui est la seule que je choisis et que je vous demande de choisir. Alors évidemment, sur scène, notamment dans la première partie, on l'a pensé un peu plus vite. Et alors, ce qui était aussi très amusant, c'était de voir Hubert Classens, qui est un baryton formidable, qui avait gagné le prix Reine-Élisabeth, qui a vraiment la tête du gourou. Il est étonnant. Le voir travailler là-dessus, c'était quelque chose d'assez amusant. Ne t'étonne pas que je le sache, car je te connais. Ne t'étonne pas que je le sache. Ne t'étonne pas que je le sache, que je le sache. Ne t'étonne pas que je le sache, car je te connais. Elle est de ses fruits secrètement par toi apportés sur cette île. Le chanteur, c'est un pur sang, surtout à ce niveau-là technique. Donc, c'est un pur sang que le temps d'un enregistrement, on dompte, tout en lui laissant suffisamment de liberté pour profiter de sa nature de pur sang. Alors, vous voyez ici, je vais passer la séquence suivante. Mais il y a une... après, c'est avec tout le cœur.
Il y avait évidemment le personnage qui se met en face de Gourou. Et ce personnage qui est ici dans la salle d'ailleurs, c'est Paul Gogler, c'est le petit Victor. Et Victor, c'est le complice qui est venu pour faire de l'argent. Et quand il voit la folie suicidaire du gourou, c'est la bataille qui commence. Et c'était quelque chose de très intéressant au point de vue confrontation rythmique des personnages. Et ça, pour moi, c'est un des éléments de compréhension essentiels. C'est souvent ce qui me manque dans la musique contemporaine, le rythme. Est-ce qu'elle se connaît vraiment? Sais-tu qui elle est? Peu importe, c'est entre elle et moi, c'est entre moi et moi. Tu n'as pas à t'en mêler! Je crois que tu ne te rends pas bien compte. Qu'est-ce que tu imagines? Souviens-toi que c'est à moi. Cela, ça va, tu n'es rien. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais c'est grave, c'est très grave. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Alors, cette idée de confrontation, vous voyez, c'est le décor de Jérôme Bourdin qui était très beau, cette idée de confrontation rythmique, elle est aussi valable pour les scènes de grande tendresse ou de souffrance. Et il y avait Bujnica, qui est une merveilleuse soprano, qui joue la mère, dont l'enfant est en train de mourir. La mère de l'enfant de Gourou. Transparence. Mais il ne mange qu'une certaine
donc, cette force rythmique, ben, vous allez la retrouver exactement dans la scène qui suit, cette fois-là, avec la voix parlée. De la vraie vie, de la matière, ni de la chair, tu ne sais rien du corps. Il vous portera tout son péant, et lui et moi au plus haut de la vie. Cet enfant est le mien, ma riche sens encore le mien. Je l'ai vu, il va très mal, il va mourir. Je l'ai vu, il va très mal, il va mourir. Il va très mal, il va mourir, il va très mal, il va mourir, il va très mal, il va mourir. Il te dira tout ce qu'il a découvert, grâce à toi, tais-toi bon maintenant. Arrête! Tu es le mal, tu portes la ruine et la destruction, tu ne vois pas le bien fort. Là, l'intérêt aussi de cette présence rythmique très forte, c'est qu'elle résout un gros problème qui est l'orchestration. C'est-à-dire qu'on a toujours ce problème de compréhension des voix, de volume sonore de l'orchestre. Tous les chefs qui ont dirigé le dialogue des Carmélites disent à quel point l'œuvre est géniale, mais à quel point ils sont obligés de faire des miracles pour ne pas couvrir le plateau. Et quand vous avez à ce point-là des choses rythmiquement précises, ça vous permet de jouer sur l'orchestration. Finalement, ça rend plus facile la compréhension. Alors, la fin, la grande scène de fin, qui est avec elle, qui supplie, elle supplie ces gens de ne pas se suicider. Et puis tout d'un coup, les nouveaux adeptes, qui sont encore plus fanatiques que les autres, qui boivent le poison, les premiers. Et c'est évidemment un moment très fort. Il y avait deux choses. Sonia a une idée, ce qui montre que de temps en temps, les interprètes peuvent vous faire changer. C'est qu'elle ne chante pas, sauf à la dernière phrase, elle arrive à le persuader de boire le poison avant, parce qu'elle dit « il faut bien que quelqu'un te regarde ». Évidemment, elle ne va pas se suicider. D'abord, il n'était pas question que je tue ma femme, même sur scène. Il y avait un autre moment, au moment où il essaye de la violer, où le librettiste avait écrit « regarde mon sexe ». J'ai dit « non, 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 ma femme, elle ne regarde rien du tout de gourou. Il essaye de la violer, mais il n'y réussit pas. » Il ne faut pas exagérer quand même. Et donc, à la fin, comme ça, Sonia me dit tout d'un coup « mais cette phrase, quand je répète « toi le premier et moi ensuite », il faut que je la chante, parce que tout d'un coup, ça va donner l'idée que lui, qui considère qu'elle n'est pas dans la course parce qu'elle ne chante pas, tout d'un coup, il va penser l'avoir convaincue. Ça, c'était une idée formidable. Et puis la deuxième chose, c'est comment vous finissez. Comment vous finissez quand tout d'un coup, Sonia se retrouve seule avec 60 cadavres. Vous finissez pas, ta-ta. Et puis si vous finissez, qu'il ne se passe rien, il fallait donc trouver une autre solution. Je vous mets donc toute cette scène de fin. Et après, je répondrai à vos questions, si vous voulez. Tu as tué ton fils, ta femme, ta mère. Tes deux plus fidèles amis sont morts. Il est temps d'arrêter ce rêve absurde. Vous êtes libre. Oh, je vous en prie, croyez-moi. Libre. Moi, je vais boire les breuvages et par l'amour accéder à l'autre.
Et là, elle va lui renvoyer toutes ces théories bidons qu'elle entend depuis le début. Ah, ça brûle, Marie, j'ai mal. Non, ça ne brûle pas. Je te regarde, et l'éternité aussi te regarde. Ne me laisse pas, Marie. Je dois vous dire qu'il y a eu 2 minutes de silence. Très caractéristique dans l'écriture de cette... C'est fini maintenant. Il y a eu 2 minutes de silence parce que, bien évidemment, les gens étaient choqués. Alors, pour vous dire la vérité, ça me manque. J'ai vraiment envie d'écrire un troisième opéra. Depuis plusieurs années, je voudrais écrire un opéra sur Houdini, que je trouve un personnage absolument extraordinaire, avec en plus la possibilité de travailler... avec un magicien, parce qu'il faudrait recréer un tour sur scène, mais surtout le principe de cet homme dont le père était rabbin, qui a dénoncé toute sa vie les faux médiums. Enfin, c'est un personnage incroyable. Il y a aussi un très beau sujet sur l'apparition, qui est le film de Giannoli, sur une ville complètement perturbée par une jeune femme qui prétend avoir vu la Vierge, et c'est un très très beau sujet. Le simple problème, si vous voulez, c'est que j'ai eu deux fois dans ma vie des périodes, ça a duré 10 ans, de... Je ne peux plus, à 72 ans, me réendetter pour 8 ans, écrire un opéra en espérant qu'un jour un théâtre le fasse ou me batte avec l'énergie. J'ai envie qu'on m'aime, j'ai envie, j'estime avoir fait mes preuves d'un point de vue opératique, et j'espère bien trouver une maison d'opéra avec une date précise, sans que j'aie à tout faire, sans que j'aie à enregistrer l'opéra avant, mais plutôt l'enregistrer après, une fois qu'on l'a joué sur scène. En attendant, Gourou a eu donc cette production, et...
pour mon plus grand plaisir, cette fois-là, c'est Muriel Mayette-Holz qui va faire nouvelle production de Gourou à Nice, qui est un moyen pour la ville de quand même rattraper tout ça dans une version collaboration entre le théâtre et l'opéra avec Armando Noguera. Il n'y aura que Sonia de cette distribution, Anaïs Constance, Frédéric Di Quero, Nika Guichavili, Marie-Ange Todorovitch, et j'espère bien écrire encore un opéra. Voilà ce que je voulais vous raconter. Alors, vous savez, on a une conférence de mes très chers amis des sciences morales et politiques qui est à 17h45, donc on a encore 7-8 minutes, si vous avez des questions. Vous avez des petits, je crois qu'on peut carrément appuyer, vous devez avoir un micro à proximité, voilà, et puis après vous devez pouvoir passer au vert si tout va bien. Ne me demandez pas comment ça marche, mais je vous vois déjà en rouge. Ah, ça y est, on vous écoute. Ça a l'air de fonctionner, oui. Bonjour, Théophile Lepage, étudiant. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Vous avez beaucoup parlé du fait que dans l'opéra contemporain, les morceaux, les fragments d'opéra soient de moins en moins détachables. Et vous avez notamment cité l'ouverture de Candide, qui était un cas particulier. Et vous avez aussi parlé de la manière dont vous finissiez vos opéras. Et j'étais curieux de savoir comment vous appréhendiez le début de l'opéra, l'ouverture. Quel rôle ça avait pour vous et comment vous entriez dedans? Alors, c'est vraiment, dans ces cas-là, on dit très bonne question, mais c'est vrai. Je veux dire, parce que quand j'ai écrit Elephant Man, et j'ai commencé donc à travailler, comme je suis aussi tout de même pianiste, j'avais mes amis, notamment compositeurs, qui venaient à la maison, et je leur jouais toujours tout ce que j'avais en train d'écrire de l'opéra. Et en fait, je ne jouais jamais le début. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne joue pas le début? C'est bizarre. Et au même moment, je dirigeais, j'avais un concert, c'était en Séoul, je crois, et je dirigeais le prélude de Tristan. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais zut, il a raison, le petit Richard, commence par le thème. Et le grand thème d'Elephant Man, c'est le début, c'est le début. Donc, je n'ai pas eu envie là de faire une ouverture dans le sens ouverture. Je trouve qu'il fallait très vite rentrer dedans, et c'était le même problème pour Gourou. Puis je vais vous dire une autre chose, c'est que, alors, autant je me sens à l'aise avec un certain opéra, même spécialement l'opéra russe ou Britain ou autre, etc. Me sens de cette famille-là, mais beaucoup moins que de l'opéra italien. C'est pas le bel canto qui m'a guidé, comme vous pouvez le voir. Mais il n'empêche qu'il y a quand même à un moment donné, par rapport à ça, la volonté de savoir comment on va le faire et comment il va être traité, si vous voulez. Si c'est pour faire une ouverture où j'aurai la garantie qu'on va mettre tout le monde exactement dans l'atmosphère de ce qui va se passer, un moment de réflexion. Mais vous y trompez pas. Il va y avoir, on va me faire descendre des voitures, des plans, on va m'inventer des trucs qui se passent parce qu'un metteur en scène ne peut pas supporter que le spectacle commence sans lui. Il en est malade. Hein? Donc, et puis, quelque part, je crois qu'à ce niveau, je préfère l'idée de tirer une suite après, d'utiliser des moments, d'en faire quelque chose, plutôt que de se dire dès le début, je vais avoir une introduction qui pourra être traitée à part. C'était pas l'esprit. J'avais besoin qu'immédiatement on soit dedans, complètement dedans. Mais c'est un problème, vous savez, qu'on rencontre souvent maintenant de façon différente au cinéma, avec les génériques de début. Il y a eu tout un moment où finalement la musique était un moyen de vous mettre déjà dans l'ambiance du film, tandis que maintenant on va vous placer la chanson de variété sortie peu de temps avant, c'est pas pareil. Oui, merci de votre conférence. Je reviens sur le nom du cycle, composé un opéra au XXIe siècle. Est-ce que pour vous, il y a une problématique au XXIe siècle spécifique qui n'existait pas des siècles précédents? Oh, écoutez, je pense qu'il y en a forcément, plusieurs. Il y a la première chose, bon, l'opéra est une sorte de spectacle total qu'il faut aimer. Je pense que Louis XIV était certainement beaucoup plus passionné de musique que ne le sont beaucoup des dirigeants actuels, même si notre président est assez bon pianiste, mais c'est autre chose. Et donc, il y a véritablement un manque, en fait. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y ait de règle absolue. Il y a un véritable problème qui est que les directeurs d'opéra, ça peut se comprendre,
ont besoin d'être à la manœuvre. Ils ont besoin de se dire, je vais prendre tel librettiste, tiens, qui je pourrais bien aller chercher comme compositeur, comme celui-là, ou bien comme un curieux individu qui a dirigé l'Opéra de Paris récemment, de dire, allez, on va faire des opéras sur les chefs-d'œuvre de la littérature française. Ça ne me paraît pas, alors que la première des démarches devrait être d'un directeur d'opéra. D'abord, pardon de le dire, mais un opéra, c'est d'abord de la musique. Ça va traiter un sujet, mais c'est d'abord de la musique. De quoi on parle ? Quoique les critiques parlent de la mise en scène, de machin, de tout ce qu'ils veulent, ça commence par la musique. Un directeur d'opéra devrait se dire, quel est vraiment le compositeur dont j'aime la musique ? Allez le voir et lui dire, qu'est-ce que vous auriez envie de faire ? Parce que c'est vous qui allez passer 3 ans sur la partition, c'est pas moi, vous comprenez ? Et le problème, c'est que tout est renversé, et que bon, vous avez des compositeurs qui sont vraiment des compositeurs formidables, qui ont beaucoup à dire et de grands talents, quand tout d'un coup, on va leur proposer Bastille, avec un sujet qu'ils n'auraient jamais eu envie de traiter, qui n'est pas leur truc, ils vont accepter, parce que c'est extraordinaire pour un compositeur de tout d'un coup bénéficier de cet orchestre de rêve, de cet endroit, des moyens qu'il y a, qu'on trouve presque nulle part ailleurs au monde. Mais du coup, il va passer 2 ou 3 ans sur quelque chose qui n'est pas fondamentalement une chose qui lui arrache les tripes. Et pour moi, ce n'est pas possible. J'ai besoin de... Si je m'engageais pour 3 ans, je veux m'engager sur un sujet. Donc, je veux être devant quelqu'un auquel je dis, d'accord, on va parler ensemble distribution, d'accord, on peut parler ensemble mise en scène, d'accord, etc. Mais l'ossature de la chose, la personne avec qui j'ai envie de travailler pour l'écrire et tout ça, ça reste vraiment du domaine du compositeur. Mais là, il y a un vrai... Et puis, il faut le dire, les choses telles qu'elles sont, il y a un incroyable manque de courtoisie élémentaire chez les directeurs d'opéra. C'est honteux. Quand j'ai envoyé des disques primés à 40 maisons d'opéra et qu'il n'y en a pas un qui a répondu, pas un, même pas une lettre de courtoisie, mais ça prouve que ces gens n'ont aucune idée de ce qu'est la solitude d'un compositeur. Ils sont avec leur salaire mensuel tranquille dans des grandes maisons, ils fréquentent les grands chanteurs, etc., mais ils ne savent rien de ce qu'est la solitude de la création. Et ça, c'est profondément dramatique. Le problème, c'est que quand vous avez un tempérament comme le mien, plutôt à mettre leur nez dedans, ils apprécient encore moins, croyez-moi. Vous avez évoqué, là, il y a un instant, l'intervention des metteurs en scène avec les voitures qui descendent. Quels sont les rapports que vous avez avec le metteur en scène, les décors qui sont préparés, comment ça se passe ? Alors, les décors, je trouve que si on fait confiance à un metteur en scène, faut pas qu'on aille mettre son grain de sable dans les décors. Je trouve qu'à partir de ce moment-là, c'est son contrôle. Par contre, comme je le disais, le fait de diriger moi-même les opéras, ça me permet quand même, et des fois en plus d'en avoir assuré une partie de la production au niveau discographique et tout, ça me permet d'avoir un poids, si vous voulez. Ça me permet à ce moment-là d'influer. Ça veut dire que je peux faire ce à quoi malheureusement les compositeurs ne sont pas toujours autorisés. Je peux être là dès la première répétition avec piano et suivre l'ensemble. Et alerter sur d'éventuelles dérives. Après, vous savez, plus on anticipe, pour Gourou, au départ, c'est Daniel Mesguich qui devait faire le livret, avec Xavier Morel. Et finalement, c'est Xavier Morel qui l'a fait seul. Pourquoi ? Parce que quand on a commencé à travailler avec Daniel Mesguich, il m'a amené un livret où c'était finalement un tribunal qui jugeait une personne qui était la dernière rescapée de Lille. Et en fait, petit à petit, on allait comprendre que cette personne, on pensait que c'était la femme de Gourou, puis finalement la mère de Gourou, puis finalement on allait comprendre que c'est Gourou lui-même qui était une femme, avec à chaque fois des flashbacks. Et j'ai dit à Daniel, attends, rien qu'à lire Jumi-Paume, les flashbacks à l'opéra, on s'en sortira jamais. Bon, là, c'était en amont. Mais après, au moment d'une production, c'est un moment très particulier où quand même on peut contrôler les choses. Il y a un des compositeurs que j'admire le plus dans les compositeurs vivants dans le monde actuellement qui est ici, qui est Philippe Hersant. Philippe, je t'avais promis que je le dirais. Sur un de ses opéras, je crois que c'était en Allemagne, Philippe n'a même pas été autorisé à aller pendant les répétitions. Le compositeur était interdit. Bon, ça, j'y peux rien, c'est pas dans ma nature. Donc, je pense qu'on a un moment de contrôle. D'un autre côté, il y a un moment donné, il faut lâcher le bébé, sans quoi on ne s'en sort pas. Alors, il y a la notion du droit moral. Par exemple, le cri final, je l'ai mis dans la partition et j'ai précisé en dessous, j'interdis toute
représentation de cet opéra sans le cri final. Maintenant, d'un autre côté, je vous parlais tout à l'heure d'Elephant Man. Bon, ils ont voulu faire Elephant Man sans le masque. Moi, tout mon premier acte est basé sur le fait comme ça du voyeurisme. Ils ont fait partir ces... Ben, quelque part, ça a fait du mal, mais bon, j'étais tellement content que ce soit fait aux États-Unis, puis j'allais lâcher là-dessus. Autrement dit, voilà. Et puis, finalement, pour se protéger par rapport à ce qu'on veut, eh bien, mon cher Émeric, ça correspond parfaitement à l'Académie des Beaux-Arts. Dans mon testament, il y a écrit que je lègue le droit moral sur mes œuvres à la section de composition musicale de l'Académie des Beaux-Arts. Et je sais que mes camarades, les futurs camarades, veilleront à ce qu'on ne rajoute pas du rap sur mes opéras. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci bien. Voilà. Et ne ratez pas lundi 17 octobre Thierry Esquèche, qui est un merveilleux musicien. Merci.